Comment tu fais pour être aussi cultivé? Parce qu'aujourd'hui, je crois avoir suivi au moins 6 de tes formations et chaque fois quand je ressors, je dis, ah, j'ai un nouveau truc pour implémenter dans mes affaires. Toi, tu fais comment pour avoir autant de culture? Alors, je vais donner un secret et je le donne parce que c'est toi. Mais bon, je dis ça pour rigoler, il n'y a pas de secret, tout, on peut tout apprendre. Alors, moi, il y a un levier que j'utilise. Le levier, c'est lequel? Ce que je vais dire peut aller à l'encontre peut-être de ce que tu fais, mais en réalité, ça ne va pas à l'encontre, c'est juste une perception. Moi, je ne lis pas beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je ne lis pas beaucoup. C'est vrai que j'ai déjà publié 6 livres. Il y a beaucoup d'autres que je vais publier dans très peu de temps. Mais je ne lis pas beaucoup. Pourquoi? Ou plutôt, j'ai arrêté de beaucoup lire. Parce que quand je dis que je ne lis pas beaucoup, quelqu'un peut suivre ce direct. Il dit, non, moi, je ne lis plus. Ça va arrêter avec ça. Attention. N'aime pas ce que je dis. Moi, j'ai fait la faculté de médecine. Toi, tu es en train de finir ta fac de médecine. Tu sais combien de fois il faut lire pour s'en sortir. Donc, je ne vais même pas parler des livres de la faculté de médecine. Mais les livres dont je vais parler maintenant, ce sont des livres en dehors des livres de la faculté. Moi, j'ai déjà lu plus de 400 livres dans des domaines en dehors de la médecine. Alors, pourquoi est-ce que je décide d'arrêter de lire? Du moins, de lire beaucoup, comme avant. Parce qu'avant, tous les jours, je dévorais les livres, je prenais les livres, je lisais. Au niveau de la religion, la comptabilité, le droit et tout ça, je lisais dans n'importe quel domaine. Parce que je me disais toujours que plus tu vas connaître de choses, et plus tu vas facilement t'en sortir. Moi, c'est ça que je pensais. Que si je connais beaucoup de choses, ça va m'ouvrir les portes et je vais devenir puissant, je vais gagner beaucoup d'argent, etc. Donc, j'étais axé sur apprendre le maximum de choses parce que ça va me permettre de m'en sortir. Donc, je lisais comme un fou. Tout ce qui me passait par la main, je lisais. Sauf que je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que quand il fallait implémenter ce que je lisais, ça veut dire que, étant donné que moi, j'étais déjà sur le terrain, par exemple, SOS Médecins Cameroun, je descendais déjà sur le terrain, je consultais des gens, je suivais des patients, j'avais déjà un projet. Après, j'ai lancé Startup Academy, donc je formais des gens, j'entretenais beaucoup de personnes au quotidien. Je me rendais compte qu'il y a des choses dans des livres qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire que j'ai lu quelque chose dans un livre qui parlait de cela pendant sur 400 pages, et je prends ça, je ne fais qu'implémenter, ça ne fonctionne pas. J'implémente et ça ne fonctionne pas. Après, je me dis que peut-être c'est moi qui ne sais pas le faire. J'essaie de voir dans mon environnement ceux qui le font. Je me rends compte qu'eux aussi, ça ne fonctionne pas. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que moi, j'ai lu ça pendant près d'un mois et j'implémente que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que quoi? J'ai perdu mon temps ou c'est comment? J'ai donc commencé à faire plutôt le chemin inverse. Ça veut dire qu'au lieu de lire, j'essaye plutôt d'implémenter quelque chose. Je vois le résultat. Je réplique une deuxième fois. Une cinquième fois, une dixième fois. J'essaye de voir s'il y a des relations de cause à effet entre les 10 fois pour voir s'il y a une leçon à en sortir. Et de cette leçon-là, je théorise et j'essaye de permettre à d'autres personnes de tester. D'autres personnes testent dans d'autres secteurs d'activité. Je vois les résultats qu'ils obtiennent. Et puis après, si je me rends compte que les résultats sont pertinents, je théorise ça et je me dis, voilà, c'est une nouvelle leçon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre qu'en réalité, apprendre de cette façon est plus efficace parce que les résultats sont immédiats et ça me permet directement d'améliorer ce que je suis en train de faire actuellement. C'est pour ça que je me suis dit, mais attends, je ne vais plus continuer de lire des livres que les gars ont écrits en Suisse, ont écrits aux États-Unis ou n'importe où. C'est vrai que c'est pertinent, hein? Parce que je ne demande pas de ne pas lire. Parce que moi, j'ai beaucoup lu avant de dire ça. On ne Tout à peut pas fait. écrire si on ne Sans lit lire. pas beaucoup. C'est Ce n'est pas clair. possible. Donc, j'ai beaucoup lu avant de me rendre compte qu'il y a des limites. Parce que si tu ne lis pas et tu n'implémentes pas, tu ne sauras pas qu'il y a des limites dans les livres. Tout Si à tu te fait. contentes juste de lire et de transmettre ce que tu lis à d'autres personnes, en fait, tu es un criminel. Parce que tu es en train de pousser les gens à commettre des erreurs que toi-même, tu n'as pas expérimentées. Donc, ce que je faisais, c'est quoi? C'est que maintenant, c'est l'expérimentation qui me permettait de définir si une notion fonctionne ou pas. Ou s'il faut la transmettre ou pas. C'est pour ça que lorsque je donne des formations, même si c'est la même formation, chaque fois que le temps passe, le contenu change. Le contenu, il est dynamique. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais dans 6 mois, je vais te dire, non, il faut arrêter de faire ça parce que ça ne fonctionne plus.
Du moins, c'est avec le nouveau contexte actuel. Ouais. Il y a maintenant ça qu'il faut changer. Je prends peut-être l'exemple. Avec la COVID-19, il y a des stratégies qui ne fonctionnent plus. Aujourd'hui, si je dois parler de marketing, il y a certaines choses que je vais enlever parce que ça ne fonctionne plus. Parce qu'avec la COVID, il y a de nouvelles choses qu'il faut faire. Oui. Donc, c'est comme ça que je décide de passer autrement. Je prends maintenant l'expérience et c'est l'expérience qui fonde la leçon que je dois implémenter et que je dois apprendre. Maintenant, l'avantage que j'ai, c'est quoi? C'est que moi, je recommande à tous ceux qui regardent ce direct et qui ont une compétence dans un domaine de donner des conférences. Tout à fait. Donner des conférences, même si c'est en ligne, même si c'est dans votre environnement, même si c'est des personnes qui sont vos proches, juste pour partager vos connaissances avec ces personnes-là, n'hésitez jamais de le faire pour une raison qui est simple. C'est que le meilleur moyen de retenir une information sur le long terme et de consolider les influx nerveux qui structurent les informations dans notre cerveau, c'est de transmettre ces informations. La transmission de l'information, voilà, c'est la consolidation consciente. Il y a aussi la consolidation inconsciente qui se produit pendant le sommeil. C'est pour ça que c'est recommandé d'apprendre juste avant de dormir, parce que quand tu dors, il y a une consolidation inconsciente de ce que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas pour rien que les films d'horreur, c'est la nuit. La nuit. Parce que les films d'horreur, c'est la nuit, parce que ça permet beaucoup plus facilement de susciter des émotions en toi. Et quand ça suscite des émotions, il y a des publicités que tu vas voir qui vont entrer de manière subliminale dans ton cerveau. Et quand tu vas dormir, la consolidation inconsciente va structurer cette publicité-là dans ton cerveau. Et quand tu vas arriver dans un supermarché, tu ne vas pas savoir pourquoi tu prends tel yaourt par rapport à tel autre. Donc, l'autre avantage donc, que j'ai eu, c'est qu'avec la Startup Academy, nous accompagnons des milliers d'entrepreneurs par an. Moi, je rencontre des milliers d'entrepreneurs par an. Et rencontrer des entrepreneurs, qu'est-ce que ça entraîne? Il y a toujours du networking et il y a toujours des retours sur expérience. Ça veut dire, chaque fois que je rencontre un entrepreneur, il va me dire, moi je suis dans le domaine de l'agroalimentaire, je vends peut-être tel produit, je vais discuter avec lui, il va me faire part des difficultés qu'il a rencontrées, des solutions qu'il a implémentées pour résoudre ces difficultés-là. Donc tu te rends compte que lorsque chaque année je rencontre des milliers de personnes avec qui j'échange de cette façon, ça fait en sorte que même inconsciemment, même sans le vouloir, ça accumule de l'expérience des autres dans mon inconscient et dans mon subconscient. Et ça me permet de pouvoir m'exprimer sur plusieurs disciplines à la fois, en plus de mes propres expériences personnelles et de mes lectures qui, cette fois, sont orientées expérience et expertise. Donc, voilà en fait comment je fais. Stop, ma personne. Ne t'en va pas tout de suite. Maintenant que tu as fini d'écouter Claudel ou ici, si jamais tu es intéressé par le business, tu veux monter ton business en Afrique, je te conseille vivement son livre qui s'intitule Le jeune entrepreneur africain. En termes de business, ce livre te donne des stratégies qui sont juste énormes. Et si jamais tu souhaites le procurer, soit tu donnes rendez-vous sur mon site internet argentlivre.com ou alors tu as juste à cliquer sur le lien qui est en haut, à gauche ou à droite ou en description et puis tu pourras entrer en possession de ce bijou de livre. Allez ensemble!